Le cinéma algérien a connu de grands moments de gloire avec des films réalisés et interprétés par de grands cinéastes et réalisateurs. À cette occasion, la Cinémathèque a pris l'initiative de rediffuser les anciens films afin de partager ces années d'âge d'or. On a décidé de faire une grande manifestation et à partir de là, cette décision a été prise de marquer cet événement, c'est-à-dire durant toute l'année 2015, à savoir du 23 janvier, plus précisément du 24 janvier 2015, pour l'inauguration, elle a été faite. La manifestation résumera les grandes activités que la Cinémathèque algérienne a connues de 1965 à 1969, à travers des portraits d'artistes et des films inédits. Un hommage sera également rendu à Sidi Ali Kouiret et à Amar Lascri, récemment décédé. Et parallèlement au programme cinématographique, je remercie infiniment M. Bedjaoui d'avoir été le concepteur, le géniteur, d'avoir eu l'idée également de monter toute cette exposition qui rend hommage à travers des inédits, des affiches, des écrits, des visuels, de toute la production cinématographique algérienne, à savoir même les films qui ont été faits pendant le maquis, et ce jusqu'à la fin des années 60, c'est-à-dire 1969. Le musée d'art moderne et contemporain d'Alger, le MAMA, accueillera cette manifestation jusqu'au 10 juillet. Alors soyez au rendez-vous pour la saga des premières années de la Cinémathèque algérienne.